face à Serena Williams, 3 jeux à 2 pour Herm. Ça, cette précision, ce tennis au cordeau avec beaucoup d'utilisation du long. Voilà, ça vient frapper. Balle de break à nouveau. Encore. Et allez. Oui. Oui, pas. Ah oui, superbe. Ah oui, elle est un peu passive. Vilaine volée. Allez. Et première manche bouclée. Basket. Toujours idéal de s'en munir. Voilà, et celle-là est convertie.
la balle a effleuré la ligne. Voyons ce que dit. Oui, 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 elle est bonne, bien vue. Elle pourra se reconvertir comme juge de ligne, Elena, parce qu'elle a l'œil. Et voilà. Nouveau break réussi par Yelena Jankovic, qui a beaucoup plus de réussite sur ses balles de break. Serena Williams, 6-3-3-1. Et quelques mouvements. Allez, encore ce coup. Ah oui, ah oui, même si ça se termine. Et bonne première. C'est vraiment bien joué. Bien touché. Ah oui, splendide. Boum.
ça c'est bien joué. Oui, un ace. Et bien voilà, Yelena Jankovic prend sa revanche par rapport à l'année dernière, battue par Serena Williams au stade des huitièmes de finale. Elle s'impose en 2-7, 6-3, 6-4. C'est net et sans bavure, et c'est donc pour la première fois de sa carrière que Yelena Jankovic se qualifie pour les demi-finales de cet Open d'Australie. Un gros gros match de la part de Jankovic, et même si Williams a fait plus de fautes directes que de raisons, mais en tout cas elle